Alors, la députée LFI Rachel Kiki a brandi un drapeau palestinien en pleine Assemblée nationale une semaine après Sébastien Delojus, qui est d'origine algérienne, les gars. Alors ça, personne ne le sait, mais moi, je vous le dis. On va voir ça, c'est parti. Je vous remercie, monsieur le député. Alors, comme on dit, c'est vraiment le pompon sur le slibard. Hein, de ma région, on dit ça comme ça. Non, mais on a affaire à Rachel Kiki qui parle pas un mot de français. Moi, quand elle parle, je comprends rien du tout. Et qui brandit un drapeau étranger à l'Assemblée nationale. C'est super, elle a été élue, on ne sait pas trop par qui. Je pense par des. Je sais pas, hein, par des Français de papier, hein, sûrement. Donc, non, c'est génial, c'est génial. Madame Kéké, vous avez évidemment un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et nous discuterons au prochain bureau du fait de savoir s'il faut une sanction plus sévère. Mais je croyais que les choses étaient très claires et que vous aviez pu lire, comme tout le monde, notre règlement. Allez, s'il vous plaît. Et ce qui est génial, enfin ce qui est surtout très triste, c'est qu'on a Yaël Braun-Pivet qui n'en a rien à foutre de la France. Hein. Ils sont pareils, les filles, les macronistes, c'est la même chose pour moi. Et qui réprimande Rachel Keke. Alors qu'en fait, c'est un peu la même chose. Sauf que, bon, on va dire l'islamo-gauchisme de Yaël Braun-Pivet, hein, faudra en parler, hein, c'est tous ces mêmes. Hein. Bah, il a le drapeau français, quoi. Voilà, c'est ça la différence. Mais à part ça, c'est pareil. Faut pas oublier que tous ces gens-là, bon, à part les RN, hein, mais pour faire une minute de silence pour Thomas, pour Lola, c'est très très compliqué. Pour Mathis, pour Philippe, pour Enzo, bon, j'en passe, on a 1 million maintenant, donc. Et ben là, c'est très compliqué, hein. Donc, qu'on vienne pas me dire que les macronistes défendent la France ou je sais pas quoi, hein, vraiment, pas du tout. Alors, on avait réussi à avoir une minute de silence pour Thomas, c'était un petit miracle. Mais par contre, dès que c'est pour des pourritures. Alors là, il y a des minutes de silence à foison. Mes chers collègues, la sanction vient d'être prononcée sur le siège et le bureau sera convoqué à temps. Bon, vous avez vu, les RN ont sorti leur petite écharpe bleu, blanc, rouge. C'est sympathique, après, bon. Mais en tout cas, lâchez votre plus haut en like, comme d'hab. On va atteindre les 100 000. Abonnez-vous tous, si possible. Ça coûte rien. Nous, ça fait juste plaisir. Et sur ce, bah, voilà, hein, on est Rachel Keke, députée de la Nation, les gars. Rachel Keke. Elle parle pas un mot de français, mais elle est députée de la Nation. Elle n'a même pas un accent régional. Elle aurait un accent du Cantal, du Vercors, un accent niçois, un accent de Guadeloupe. Ok, mais non, non, elle parle juste pas français. C'est génial. Ce pays est super. Allez, salut.